Ok, bonjour tout le monde, c'est Nours. On se retrouve pour une petite vidéo qui a juste en fait à la base pour but de tester deux choses. D'une, le nouveau pardon, codec NVENC qui marche avec les cartes Nvidia RTX. Et j'en profite pour tester quelques paramètres d'encodage, notamment donc avec ce nouveau codec-là et un bitrate de 60 000 sur OBS classique. Pas Streamlabs OBS, hein, OBS classique. Et en même temps, je vais aller faire un tour sur la nouvelle carte Vikendi de PUBG qui a eu une mise à jour notamment au niveau de Dinoland. Alors pourquoi PUBG? Parce que tout simplement c'est un jeu qui est assez gourmand, voire très dur à streamer sur un seul PC. Donc je vais juste vérifier que avec tous les paramètres que j'ai mis sur OBS et le nouveau codec, ça fonctionne bien. Voilà, c'est juste ça. Donc peut-être que la vidéo sera uploadée. Si vous la voyez, c'est qu'elle sera uploadée. Sinon, c'est que le test est tout pourri, tout pourri, tout pourri. Alors, je suis pas sûr que vous entendiez bien le son du jeu. A priori, non. Pourtant, il est à fond. Bon, écoutez, on va faire comme ça, on va se débrouiller. Peut-être que je parlerai moins fort du coup. Tout cas, je vais monter le son pour moi, parce que sinon, je n'entends rien. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la page officielle de PUBG pour voir toutes les mises à jour, sachant que moi, je vais certainement mourir d'ici pas longtemps, donc voilà, je pourrais pas vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau sur cette carte. A priori, elle était très optimisée en termes de fluidité graphique. Donc là, je suis en train de record. Pardon, je suis en train de crever aussi. Et je suis. Ah, vous ne le voyez pas, vous. Vous ne le voyez pas, par contre, j'ai l'impression sur Steam. Là, je suis actuellement à 226 FPS. Pour info, j'ai un 8700 PACA, donc pas overclocké en termes de pros, et une 2070 Super en carte graphique. Hyper cool. Voilà. Et ce giga de RAM. Si vous souhaitez, vous demandez dans les commentaires. Je vous posterai ma config OBS, machin et tout, tout ça, tout ça, tout ça. De mémoire et de base, je suis donc en NVENC New, CBR constant à 60 000. Et je crois que j'ai record en MKV. Et putain, en fait, ça se voit bien que j'ai un œil éclaté sur la cam. J'avais pas vu jusque là. Donc, tout ce qui a, le principal truc qui a changé, a priori, hormis plein de choses sur la map, c'est le Dinoland, avec notamment un musée ou un truc comme ça qui se trouve par là. Donc je vous propose d'aller voir directement ça, je pense que c'est ce que beaucoup de gens vont faire, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a encore pas mal de monde dans l'avion. En espérant quand même que j'arrive à vous montrer 2-3 trucs, sachant que bon à la base je fais pas ça pour faire une game, hein. Je fais ça comme je vous l'ai dit vraiment pour faire des tests de record, voir si c'est fluide ou pas. Donc là je suis à 225 FPS, ok. Ça a l'air d'être cool. Le stream, je suis sur le deuxième écran en même temps, je regarde. Hein, enfin, le stream, pardon, le record a l'air plutôt pas mal non plus. On va aller plonger. Je crois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va. Il n'y a pas forcément. Si, il y a quand même du monde. On va aller là, tiens. Ouais. Je crois que ça va pas mal changer. Hop. Alors par contre, ce qui a pas changé, c'est qu'il n'y a pas d'armes. C'est toujours une map de merde par rapport à ça. Ok. Donc voilà, petit drop de FPS, hein, je suis à 150. C'est quand même pas négligeable. On est d'accord. Et il y a du monde qui se bat. Voilà, ça lagouille quand même. On sent que ça lagouille. On sent que c'est pas dingue dingue quand même. Bon. C'est pas grave.
Même si les FPS sont bons, alors après c'est le jeu hein, qui est un peu daubé aussi, tout le monde sait que PUBG ça a été codé avec le cul. Alors déjà je sens que le refroidissement s'énerve plus qu'un peu. Ça chauffe Micheline, ça chauffe. C'est bien ou pas. Je vous montrer les graphiques, paramètres. Là, vous voyez tout. En échelle de rendu, je suis à 120, c'est ça qui fait que le jeu est un peu plus beau. Même si le reste est dégueulasse, c'est plus net. J'ai aussi changé de souris entre temps. Et putain, il faut que je re-règle mes trucs en visée quoi. Alors non, en fait, je pensais qu'il était vraiment à l'autre côté à gauche. Il était où ce con? C'était très très mauvais, c'était très très nul. Ah, j'ai pas du tout pensé à regarder au-dessus. Mais alors, quand je dis pas du tout, pas du tout. D'accord. Pardon. Ok, très bien. On en refait une. Juste pour tester, comme ça me permettra aussi d'avoir la. Pardon. Oh putain, je suis éclaté. La taille des fichiers. Voilà. Une taille de fichiers. Alors, je sais pas combien. J'ai commencé il y a combien de temps? J'ai commencé il y a quoi? Il y a 8 minutes. Donc voilà, une partie qui ne dure absolument pas longtemps. Est-ce qu'on va tester une autre carte juste pour voir si c'est pareil partout? Allez, un petit Karakin. Karakin. Hop là, la petite clopinette de la pause. Bon, après, il va falloir que je résolve, pardon, un autre souci, c'est le son du jeu qui est extrêmement faible. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a la contraire, je vais peut-être descendre un peu le micro si je fais ça comme ça. Oui, non. Oui, là, ça a l'air d'être mieux. Je pense que je vous pèterai moins les oreilles si je fais comme ça et je suis pas obligé de parler comme ça dans le micro. Ce qui est une bonne chose. Très bien. Le baby Karakin? Pourquoi il me remet? Oh. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir. Faire en sorte que vous voyez les FPS aussi. Ouais, je suis à 253, mais c'est pareil, c'est laggy quoi, c'est pas. C'est pas ding bang. Tiens, tombe ta gueule. Hop là, hop, hop,
Tiens, bim. Allez, je te la prends pour te faire plaisir. Niveau du stream, ça a l'air d'être correct, c'est pas ultra fluide. Si je fais ça, c'est sûr que... Bah déjà, d'une, ça va vous foutre la gerbe, ce qui est pas forcément le but recherché. Mais on est quand même pas mal, hein. C'est... Enfin, je sais pas, moi, le ressenti que j'ai, c'est que c'est quand même pas mal. Pour un record sur un mono PC, hein, je vous rappelle. J'ai pas fini ma clope, je peux pas drop sur une ville, je vais me faire kill tout de suite. Hop là, on va aller par là. On va faire péter des pantoufles et je sais pas, je me fous par là au milieu, tenter de trouver un snip. Ah putain, tout le monde est en train de fumer ou quoi? Ah mais vous me cassez les couilles, vous savez pas où vous allez là? Allez, je vais là, moi. Là. On amorce la descente de Zeverdi. Allez, Zeverdi. Ouais. Ah, c'est pas ouf. Il y a du... Ah, et même quand je prends des armes. C'est pas dingue. C'est pas si on les prend toutes ou pas. Fameuse boîte là d'archivage de CD de machin de mes couilles, je sais pas exactement ce que c'est. Je les prends, on verra bien. Puis voilà, j'ai envie de vous dire. Hop. Faut vraiment que je règle ma souris aussi par contre. Ah, alors là par contre, grosse hésitation et on va pas hésiter longtemps. C'est que je campe. Ah, ça va pas. The fuck. Cache flamme. Je peux pas mettre ça là. Si, c'est bien ça. Voilà, 10 euros l'eau plutôt que ça. Et puis ça ira bien. Et puis je vais arrêter de scotcher comme un con. On va rush un peu le bordel là. Hop. Alors, je suis dans la zone. Je suis plutôt pas bien. Je pense que j'ai fait mal quand même. Même pas. Oh, il avait un T3, hein. Ça fait 3. Oh, il avait un petit... Bon, bref, on s'en bat les couilles. C'est juste pour faire un test. Je vais aller regarder ça tout de suite. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez voir la config totale, OBS, machin et tout. Ou alors, au pire, je peux peut-être même vous le faire tout de suite. On va faire ça, je vais vous faire ça tout de suite. Et hop là, et alors en scène, je vais vous rajouter une capture d'écran magnifique qui va être non point celle-là, mais l'autre. Et du coup, je vais vous mettre ça là, et là, vous n'allez absolument plus rien voir, parce que si je fais ça, ça va être la merde.
Comment donc que je dois faire? Comment donc est-ce que je dois faire? Hop. Eh ben voilà, on va faire ça comme ça. Alors, au niveau des paramètres de l'enregistrement, comme vous l'avez, je vous l'ai dit, j'enregistre en NVIDIA NVENC-H264 New. La particularité du nouveau codec NVIDIA, en fait, c'est que, bon, d'une déjà, j'ai toujours trouvé que ça, enfin, c'était une meilleure qualité que l'H264 de base, qui lui tourne sur le processeur, alors que le NVENC tourne sur votre carte graphique. De plus, sur les nouvelles séries de GeForce RTX, pardon, il y a une petite partie du GPU qui est dédiée à tout ce qui est Shadowplay, machin, enfin Shadow, je sais plus comment ça s'appelle, le truc Nvidia qui vous permet d'enregistrer directement. Et en fait, ça va pas vous prendre plus de ressources. Donc ça, c'est la théorie pure, hein. En théorie, ça va pas vous prendre plus de ressources que si vous n'enregistriez pas. En vrai, on ressent qu'il y a quand même un petit quelque chose qui se passe. L'ordinateur s'affole un petit peu parce que ça chauffe un peu, mais bon, voilà. Contrôle du débit, donc en CBR, ce qui veut dire constant bitrate. Ça vous évite d'avoir des fluctuations de bitrate au niveau de votre vidéo quand vous enregistrez quelque chose plutôt que du stream. Et que vous avez de la place de stockage, c'est intéressant de mettre ça. Le débit là, je l'ai mis à 60 000, ce qui est énorme, hein. Je vous rappelle que quand vous streamez seulement sur Twitch, bah, c'est du 6 000, pas plus. Donc là, on est 10 fois plus. Pré-réglage, qualité, profil, height, et j'ai coché la prédiction. Après, tout le reste, c'est de la masturbation d'esprit, il n'y a pas besoin de faire d'autres trucs. Voilà, donc là, vous savez tout. Et puis bah, écoutez, j'espère que voilà, que ça aura pu être utile à certains de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, sur Facebook ou autre. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, c'est dans son micro.